Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la vidéo des pourquoi. Aujourd'hui nous allons aborder les pourquoi sur la voiture. Allez, intro. Pourquoi appelle-t-on un coffre de voiture un coffre de voiture on peut aussi l'appeler malle arrière, qui est un terme souvent employé par les journalistes automobiles, dans les articles ou bien dans les reportages télévisés, en tant que synonyme de coffre. Il désigne donc bien la zone de chargement arrière d'une voiture. Eh bien, c'est tout simplement une vraie malle ou un coffre à proprement dit. Voilà, fin de la vidéo, merci bien. Non. Alors, au 19e siècle, la malle arrière a été créée pour le transport d'objets pendant les voyages à bord des voitures attelées aux chevaux. Pendant longtemps attachées sur le toit des véhicules, elles ont évolué pour devenir, lors de l'apparition des automobiles, un véritable article de luxe. Les mâles ont évolué avec l'histoire des voitures, notamment grâce à la création des limousines. Non, pas les limousines que l'on connaît de nos jours, qui mesurent entre 8 et 10 mètres. C'était de grands véhicules, dont la carrosserie était divisée en deux parties, une réservée aux passagers et une aux conducteurs, qui restaient assis dehors sous un espace couvert. Disposant d'une importante galerie sur leur toiture, cette large surface nommée l'impériale permettait l'installation de mâles capables de transporter des objets les plus divers lors des voyages. Plusieurs malétiers ont développé des modèles de malles pour les limousines, le plus souvent sur mesure avec différents systèmes d'attache spécifiquement conçus pour leur installation sur la voiture. Vers 1910, les limousines ont commencé à être remplacées par les coupées limousines, et les impériales ont disparu. Les portes-bagages sont installées derrière les automobiles et donnent naissance aux mâles arrière. Après le déplacement des mâles de l'impériale de la voiture vers l'arrière, elle commence à être placée entre la carrosserie et la roue de secours. Puis, en 1928, la maison Moïna invente une malle à glissement latéral. Ce système qui permet de glisser facilement les valises et porte-à-vie dans les malles a inspiré les coffres des voitures actuelles. Pourquoi les Anglais roulent-ils à gauche Eh bien, la raison est en fait historique. Il faut d'abord remonter à l'Antiquité. La plupart des gens étaient droitiers. Les cavaliers portaient alors leurs épées. À gauche afin de pouvoir la dégainer rapidement. Sur les routes, il fut donc décidé de chevaucher à gauche pour éviter que les armes ne s'entrechoquent. Jusqu'au Moyen Âge, aucune règle de circulation ne s'impose. Il faut attendre le 18e siècle et l'arrivée du Conestoga pour voir apparaître les premières règles de circulation à droite. Né aux États-Unis, plus précisément en Pennsylvanie, le Conestoga est un chariot à grande roue, tracté par un attelage de 6 à 8 chevaux, dont la particularité réside dans l'absence de siège pour le cocher. Pour conduire au mieux, il prend donc la place sur le cheval de gauche, la plus proche de l'attelage. Il a par conséquent la main droite libre pour manier le fouet et tient les rênes de la main gauche. De fait, il l'obtient naturellement pour la circulation à droite. Le cocher peut ainsi surveiller son attelage lorsqu'il croise un autre et son fouet termine sa course dans son champ, et non sur les autres usagers de la piste. En 1792, la Pennsylvanie officialise la conduite à droite. Rapidement, les autres États des États-Unis lui emboîtent le pas. De l'autre côté de l'Atlantique, l'affaire se précise en Europe un peu plus tard. Ce chariot très pratique, devenu célèbre, une grande partie du vieux continent adopte la conduite à droite, à l'exception de la Grande-Bretagne qui rejette le Conestoga, jugé trop imposant. Nos voisins britanniques préfèrent un modèle plus petit, tracté par une seule paire de choix. Et équipé d'une assise pour le cocher. Ils aiment bien leur petit confort. Selon certains historiens du Code de la Route, Napoléon Ier, alors quasi maître de l'Europe, c'est probablement. Inspiré des règles de conduite du Conestoga et aurait imposé aux pays conquis de rouler à droite. Grand stratège, l'empereur savait que, lors des batailles, la tradition imposait que les combats commencent par le flanc gauche de la cavalerie. Il décida alors de jouer de l'effet de surprise et entraîna ses hommes à attaquer par la droite. L'arrivée de l'automobile va affirmer cette distinction dans la seconde moitié du 19e siècle. La conduite à droite va être justifiée par le fait que les premières automobiles avaient le frein à main disposé à l'extérieur de la carrosserie à la main droite. Le poste de conduite à droite permettait ainsi de surveiller les bords de la route, souvent en mauvais état, et de ne pas tomber dans les ornières. Plus tard, l'automobile étant plus répandue, lorsque le frein à main se déplaça au centre de la voiture, le volant passa à gauche pour permettre au conducteur de continuer à utiliser le frein à main de la main droite, tout en continuant à rouler sur le côté droit de la route. Il pouvait cette fois mieux apprécier les véhicules venant en sens inverse. Et pour finir, petit fun fact pour la fin. La voiture électrique existait déjà à la fin du 19e siècle. Et la Jamais Contente, oui c'est son nom, est la première voiture de l'histoire de l'automobile à dépasser les 100 km/h en 1899. La première amende automobile date de janvier 1896. Walter Arnold a été intercepté par un policier en vélo et reçoit la première amende pour excès de vitesse de l'histoire. Sa vitesse était de 12,9 km/h, 4 fois plus que la limite autorisée qui était de 3 km/h. La voiture la plus longue du monde est une limousine de 30,5 mètres de long. Elle possède 24 roues et une piscine qui se transforme en piste d'atterrissage pour l'hélicoptère. Après quelques recherches, ce véhicule a été laissé à l'abandon. Le régulateur de vitesse a été breveté en 1945, puis installé en 1958, et son inventeur était aveugle. Au début du XXe siècle, les chevaux causaient tellement de pollution avec leurs excréments que l'automobile devint rapidement une solution de rechange écologique. L'automobile est polluante, néanmoins, jusqu'à 85% de ses composants peuvent être recyclables. Lorsque les premières automobiles furent livrées, équipées d'une radio, Plusieurs États américains exprimèrent leur désaccord, jugeant qu'elle était susceptible de distraire le conducteur et de causer des accidents. On est bien loin du téléphone portable. Le cheval cabré de Ferrari est une demande faite à Enzo Ferrari pour rendre hommage au pilote de guerre Francesco Baracca, un héros italien de la Première Guerre mondiale mort en combattant, qui avait peint un cheval cabré sur son avion. Ferrari a donc repris ce dessin, lui ajoutant un fond jaune couleur de modène. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur les logos des marques de voitures, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à de laisser des commentaires, lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. Allez, ciao. Elles ont évo elles ont évolué pour éviter que les armes ne s pour éviter que les armes ne centreentre <rit> 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 il fut, <bon rit> <Il> fut... <rit> jusqu'au moyen âge au curé, au curé <rit> hein? <rit> sur les autres sur les autres usagers de la piste juger trop ces problèmes <rit> c'est probable C'est probable de vous abonner. En... de vous annoncer en... je vais jamais y arriver. Pourquoi appelle-t-on un coffre de voiture un, un... un... un coffre de voiture. Plusieurs malétillés. Nos voisins britanniques. Walter Arnold Arnold équipé d'une radio Ah punaise. N'hésitez pas de lâcher un coup de un pouce bleu. Merci à voir... Merci à voir de revidéo. Je, je coupe carrément les phrases. Merci à voir... Euh, merci à voir. Bienvenue dans la réveille des... Ça commence bien. Il y a un terme souvent employé par les journalistes... Un coffre à promenade. Un véritable article de luxe. De luxe. Que les combats commencent par le franc... Pas le franc... J'ai tout eu. Hein. J'ai eu focus. J'ai eu la batterie. Euh, tu veux quoi d'autre oh.